ensemble, nous allons vivre une très, très très grande histoire d'amour. Jacques Séguéla, bonjour. Bonjour. Je me présente, moi c'est Anema. Dans le jargon des esthéticiennes, on pourrait dire que je suis... Attention, ma femme a été esthéticienne. Eh bien justement, on pourrait dire que je suis une sorte d'épilation totale de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien je dirais que je me sens un peu comme une partie de jeu de cette famille qu'on aurait proposé à un orphelin, au cours de laquelle évidemment personne ne s'amuse jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, sèche comme un pambagna et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de ce petit ascendant stéridant que vous donne votre sourire aussi parfait que désormais suspect, eh bien vous êtes du coup une sorte de mix entre la version aussi vivante que non moustachue de ce célèbre producteur de musique, passionné aussi bien par Saint-Tropez que par les mariages intergénérationnels. Je parle bien évidemment du célèbre et probablement fossilisé Eddie Barclay. Et la version aussi humaine que non bigleuse de ce célèbre personnage de dessin animé, aussi myope qu'acariâtre, qu'est ce bon vieux Mister Magoo. Et bien malgré ce petit ascendant point soleil qui depuis le temps, j'imagine, doit commencer à préoccuper sérieusement votre dermato, et bien malgré ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un publicitaire, écrivain et conseiller en communication de talent qui après avoir obtenu un prestigieux et néanmoins déprimant doctorat en pharmacie, n'a pas hésité à troquer définitivement la vente des Microlax pour celle des AX, en devenant dès 1970 le grand Manitou de la publicité. Une créativité hors norme et un sens de la formule qui fait mouche, qui vous permettent depuis 50 ans maintenant de nous refourguer absolument tout et n'importe quoi, puisqu'en plus de revenir aujourd'hui avec votre 26e livre intitulé « Merde à la déprime », eh bien au vu de votre parcours de winner, on peut en arriver à la conclusion que finalement, mis à part Lionel Jospin, vous pouvez absolument tout vendre. Une réussite impressionnante que vous devez notamment à votre talent incroyable pour pondre des slogans accrocheurs tels que la force tranquille, le carte noire, le café nommé désir ou plus récemment le très controversé si à 50 ans on n'a pas de Rolex, c'est qu'on a quand même raté sa vie. Une théorie évidemment aussi choquante que pleine de bon sens et à laquelle visiblement le peuple roumain semble adhérer à 100%, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant eu un temps la carte de Michael, un petit roumain en apparence adorable, comme ce soit le cas chez ces gens-là, il faut bien l'avouer, était en fait aussi menteur que chapardeur. Je peux vous dire que vu la collection de Rolex, iPhone, iPad et autres sacs Vuitton que les policiers ont retrouvés sous son lit après mon appel anonyme, bien croyez-moi que sur vos conseils, ce petit chenapan de Michael n'a pas attendu la cinquantaine pour réussir sa vie en détention. Et en parlant de vouloir finir au trou, justement, sachez que si le publiciteur qui est en vous n'a pas peur le temps d'une soirée d'essayer de promouvoir un produit aussi invendable que désormais quasi périmé, j'aime autant vous dire que mon ascendant vergeture et moi-même serions absolument ravis à l'idée de nous laisser tirer aussi bien en 4 par 3 qu'entre 3 et 4. Sur ce bouquet de confidence quasi géranto, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien j'irai tenter ma chance en Grèce, où crise oblige, ces deux dernières années, le nombre de SDF a augmenté de 25%. Donc si comme moi, l'appartement vacant de l'amour qui est en vous n'a que le souhait, je suis dans le bord, celui de trouver enfin un nouveau locataire, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, oui. À votre bon cœur. La Morinade sur le Move avec Daniel Morin et Julia Foyce.